Y a pas de... Y a plus... Alors là, non, vraiment, là, je suis vraiment vulgaire pour rien. Je vais arrêter de suite. Souris. Petit, petit, petit. Pas touché. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Y a des cailloux qui font des feintes. Quoi? Oh, les tarbas. Concentration ultime. Eh bien, ça dégage. Byron est la top. Putain, mais c'était quoi ça? Sérieux? Ne touche pas avec ton gland. Mais des phrases que je dis ce soir? Je t'attends sur Rocket. Mais attends, tu sais pas ce que c'est le subgame, Hard? Est-ce que quelqu'un peut expliquer à Hard ce que c'est le subgame, s'il vous plaît? Oh, Souris, il m'a ajouté à sa liste d'amis, oh. Il veut jouer à Evoland avec moi. Mais t'es déjà dans le game, hein, Souris. On est déjà ensemble, Hard. J'arrête pas de te tuer depuis tout à l'heure. Chargé! Dégage! Shepix, t'es mort! Oh, des petites cire d'oreille. Fait taper. Il faudrait que je fasse une commande, effectivement. Ouais, c'est un subgame, c'est vrai ça. Fait taper par un caillou, mais oui, le caillou. Et pourquoi moi j'étais tous en ami là? Pourquoi? Et qui vous a dit que je voulais être votre pote? Oh les mecs, quoi! Oh! Qu'est-ce qui. What? Mais meurs! Oh le démon! Non, ça aussi? Ils vont pas maintenant? Merci, mon petit Ryu. Allez. Chef gland. Glampix. Vous avez obtenu de la gelée verte. Burk, ça colle. D'accord. J'ouvre un coffre, j'ai du vomi, c'est cool. Un peu de morve. C'est fou, ça. Attention, alerte humour, lol. S'il avait une voiture, on pourrait dire qu'il y a une boîte à gland. Plein d'alerte humour, lol. Lourd. LOL. Ah 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 là là. Une personne sera choisie au sort pour refaire un jeu pendant une heure. Mais c'est excellent, merci les gars. Merci de rappeler les règles du subgame. Merci beaucoup. Ah, elle est ressortie de moi. On est arrivé. C'est ici que mon père t'a trouvé, José. Je finis les phrases. Attention, il y a des démons dans la clairière. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Cache-nous, ils ont l'air dangereux. José, tu crois qu'ils nous ont vus? C'est la team Rocket. Ah, c'est ça. Chérie, est-ce que... Es-tu certaine que c'est bien? Genre, ils sont bourrés de ces... Les documents du professeur Giraud le décrivent très précisément. Si nous activons ce millilitre, nous pourrons en extraire beaucoup d'énergie magie. C'est bien un magilitre. J'en ai déjà vu un il y a longtemps. Mais il a été brisé. Nous avons impérativement besoin de l'énergie de ce magilitre. Si j'en crois les archives du professeur Giraud, l'énergie du gardien qui habite cette forêt devrait être suffisante pour l'activer. Le gardien dort depuis longtemps et il doit être très affaibli. Nous n'aurions avoir aucun mal à le vaincre. Ah ouais. C'est bien, tu peux essayer, tu gagnes jamais. Donc voilà. Ok, on veut même pas que je sois choisi. Pourquoi? On tire au sort à la fin du subgame. Ce sera à 23h10. Chef, il va voir sa contre-attaque, t'es pas prêt. Oh merde. Il connaît celui qui participe, on est d'accord. Oui, c'est ça. Si vous aimez le subgame, choisissez un jeu d'horreur, il aime ça apparemment, bâtard. Oui, que ça, Benjamin. Oui, c'est ça, c'est le subgame, c'est pour remercier les gens qui se mettent à ma chaîne. Non, il faut le faire jouer à un jeu dur pour le faire, et pourri pour le faire craquer. Pouh, même pas peur. J'aurai bientôt ma revanche sur ces maudits humains. Tu sais, on m'a fait jouer à tellement de jeux. Oh, depuis quel subgame, j'ai dû en faire 40 des jeux. Ok. Préparez-vous à invoquer le gardien. José, c'est terrible. Ah non, j'avais marqué bâtard à la fin. Ah ouais, c'est vrai que... Oui, t'avais pas marqué bâtard, mais moi je le dis. Bâtard. Je sais, c'est terrible. S'il réveille le gardien de la forêt, il risque de s'attaquer à mon village. Elle dit ça avec un sourire, les gars. Chiche, Dragon's Lair. Oh non, pire jeu. Mais il faut que je l'ai. Il faut que j'ai le jeu. Il faut que j'ai le jeu. J'en ai beaucoup, après. Il faut qu'on intervienne. Tu crois qu'on devrait les empêcher? C'est dangereux. Peut-être qu'on ferait mieux d'aller prévenir quelqu'un. Mais on n'a pas le temps. Moi je veux qu'on intervienne. Hein. Je vais t'en jeter. Just Cost 4. Le gardien. Chez Pix. Ils l'ont réveillé. Attention, il est plus puissant que nous le pensions. Laissons-le se fatiguer à détruire le village, nous reviendrons ensuite. L'achever. Quoi? C'est une catastrophe, José. Si on le laisse galérer d'en faire, il va attaquer mon village. Il faut qu'on essaie de l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Oui! Je savais que je pouvais compter sur toi. Je vais t'aider, mais ne prends pas trop de risques, d'accord? On va lui péter la gueule? Aïe, ça va quoi? What the fuck? Et c'est chaud!
Vas-y, mais je peux le toucher qu'une fois, il est roulé aussi. Ah là, je suis trop con. Ah! Aïe! La question, il va je mourir. Yes, je suis trop fort. Et dans le chef est prêt, pardon? Pas encore évolué, c'est sa forme finale. Un taxi d'arrière. Oh, trop bien, taxi d'arrière. Le roi des glands est apparu. Oh wow! Tant d'expérience! Level up! José a atteint le niveau 3. Sacré José. Il est précoce. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est ce qu'elle est en train de me dire là? D'accord. Le Magic Lidbury, je n'ai jamais vu ça avant. Décidément. Mets le dos dans la prise. Il y a des inscriptions dessus. Lorem ipsum dolor sit amet. Elle a activé cet abruti. Mais si je mine. Mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, on a activé les démons. C'est Crash Bandicoot. C'est clair, elle est con. What? Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens différente, moins détaillée. Et toi, José, c'est pareil pour toi? Oui ou non? Je me demande bien où on est. Cela ressemble à la forêt de Grimoire, mais elle me semble un peu différente. C'est peut-être mon imagination. En tout cas, ces démons ont mis en danger mon village. Ils sont désormais vides pour prévenir tout le monde de ce qui s'est passé ici. Tu penses pouvoir retrouver chemin? Oui. Je fais confiance à l'ordi. Et nous, c'est Radio Inter. Ah bon? Docteur. La référence, ah bon? On a cru Slider. On se traverse les mondes par là. Quoi? Moi, je rase masse. Quoi? Attends, vous avez des renforts d'enfants sur le truc, les gars? Oh. Moi, je suis archi du perle, hein. Je peux encore l'envoyer, là? Wouhou! Bah, dis donc. C'est un background, là. C'est un beau background, hein. J'ai save, les gars. Oh, chez Pix. Chez Pix, il a pas changé. Hein. Allez, ça dégage. Bim, bam, boum. Allez, ça dégage. Oui, monsieur. 137 dollars. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, c'est une série qu'on regardait quand on était gosse. Ah bon? Pourquoi je sais plus que je ne vieillis jamais? C'est clair, hein. Je me rappelle pas de ça. C'est quoi cette série? Sliders? The fuck? Souris Chama, meurt. Meurt, démon. Ah, le coffre. Allez, tout cassé. Comme là, démon. Une toile de collection. Excellent. Je sais que t'es allé tout seul. On parle de Stargate, mais il se trompe de nom. Quoi? Mais non. Tu mens. Vous mentez. C'est quoi la revanche alors de chez Pix? Ah regarde, oui, ça aurait pu. C'est bien que t'en... C'est bon, on répond à ça. Excusez-moi, je baille, stream amateur. Et sur ma vie, Souris Chama, il va me taper, hein, c'était sûr. Oh là là, quel bâtard. Oh, je peux taper les arbres. Je peux taper les arbres, gros. What? Je peux le pousser maintenant? Je suis juste trop fort, en fait. Aïe! Pétain chez Pix. Et là où il y avait un arbre ou pas? Je parle à gagner du Corio, t'es un génie. La série raconte les aventures d'un groupe de 5 personnes qui va dans les mondes parallèles, série 90. Je m'en rappelle pas. T'es pas prêt. Quoi? Arrêtez. Eh, vous croyez vous me faites peur? Moi, je viens de la street. Oh. Par contre, y'a pas d'arbre ici. Je voulais voir s'il y avait un arbre en haut pour faire passer, pour pouvoir marcher dans la flotte. Traverser, pardon. Parce que non, j'allais pas marcher dans la flotte, j'allais marcher sur l'arbre directement pour passer la flotte. Ça, c'est la phrase qui voulait pas sortir de ma bouche. Toi qui as inventé les ponts, exactement, je suis pontman. I am pontman, les gars. Oh, une sauvegarde. Il dit non, c'est là, bien, c'est ça, entre monde parallèle. Ah, un caillou. Bâtard là.
Putain, Sauré, meurt. Meurs, démon. Par contre, le cri du perso quand il se fait toucher, c'est un jeu de Super NES qui s'appelle Idun. Je t'en souviens. Oui, ça me dit un truc. Mais t'es Jésus, normalement, tu marches. Exactement, mec. Bah, c'est un jeu sur le christianisme, hein, finalement. Non, ne parlons pas des religions. Mais nos-y, mais quel amateur. Oh là là, ça m'a lancé un déchirement dans le chat. Non. Parlons d'autre chose. Par exemple, des glands à trois pattes. Ça, c'est bien. Ça meurt, ça, là-bas? Pensez. Blalala. Je les ai tués. Ces bâtards. Aïe. Voilà, tu meurs, salio. C'est un connard? Non, c'est pas un connard, ça. Amateur! Bien sûr, moi, je suis un amateur. Je suis du père. Hein. Oh, weed killer. Weed killer? Wow. Parlons pas de religion, parlons politique. Parlons de politique. Develop? Wow, j'ai tué, j'ai développé en tuant chez Pix. Version morve. Ça se pousse, hein? Oh. Attendez, attendez, attendez. C'est quoi ça? Tu l'as mis par là? C'est quoi ça? Non, parlons de Magui et compagnie. Attends, c'est aussi de la politique. Faire une belle vidéo avec les clips. Quoi? Attendez, mais c'est quoi? Vas-y, tu peux me le renvoyer s'il te plaît? Le lien? Je suis en train de me... Tu peux me le renvoyer s'il te plaît, le lien? Oh, il a mis 100 balles pour mettre en avant, putain. C'est quoi? Vas-y, renvoie-moi le lien s'il te plaît. Qu'est-ce que vous avez envoyé? Merci les gars. Ouais, t'inquiète, je me connecte, poteau. T'inquiète, je me connecte, ma poule. Qu'est-ce que tu vas faire? Quel enculé. Vous êtes sérieux? Ah bah, il y a un clip qui va gagner, les gars. Je vous le montrerai après, mais... Ah, les bâtards. T'es un génie, mec. Waouh. Ouais, je l'ai vu, Auriel, je l'ai vu tout à l'heure. C'est un monstre. Salut, Razao, quoi. Putain, vous êtes des génies, sérieux. Vous êtes con. Je suis sûr, c'est chez Pix, c'est Souris qui va gagner, 100%. Je vais le faire de suite. Quel génie. Toujours aussi fort, hein. Chef le génie. C'est Souris qui va gagner, je pense. La pack des clips. Je joue pas. Bam. Qu'est-ce que tu vas faire? Allez, mourez les petites frappes là. Regarde. Je me sens bien. Bonne vengeance, c'est bien joué, mec. À charge de revanche, mec. Il y aura le retour. Il y aura le retour du retour. La vengeance. Je suis un viking, moi. Je vengerai ma famille. Attaque José. J'ai piqué ça dans le milieu. Mais vous avez vu la quête, les gars, sur Infinitaria? Allez sur le site Infinitaria. Allez faire la quête, les gars. N'oubliez pas. Vous pouvez cliquer sur mon lien sous la chaîne. Et je pense que tout le monde, tous les gens qui sont sur le stream là, sont déjà sur le site. Peut-être pas ArtGot. ArtGot, attention. ArtGot, il faut être sur le site, ArtGot. Attention. C'est pas sur le site, c'est pas bien. C'est pas bien. Ah ouais, c'est quoi? Mais attendez, quoi? Mais qu'est-ce que... Infinitaria? Je ne connais pas. Avec Infinitaria, ton zizi grossit. Avec Infinitaria, tes couilles grossissent. Avec Infinitaria, plus de problème pour bander. La première catégorie, je la défonce. C'est pas vraiment ça. Tu veux gagner 30 cm de zizi? Non, viens sur Infinitaria, le seul site contrôlé par un acteur porno.
C'est quoi cette pub? Je me fais arnaquer alors. Ah, j'adore ma vie, putain, c'est trop drôle. Ok, j'arrive. Eh, hey, chef, t'as vu, les gens, ils viennent sur le site, hein. Du cul, du cul. Hard, en vrai, Infinitaria, tu as le lien sous ma chaîne. Je suis partenaire chez eux. Merci à chez Pix, d'ailleurs. C'est un site pour les gamers, fait par des gamers, par des passionnés. Tu as énormément d'infos, d'actualités dessus, de news. Tu as aussi, pour ma part, tu as aussi des lives. Donc moi, je suis affiché là-bas à chaque fois que je suis en live. Ça, c'est ce qui est mis en avant pour moi. Mais putain, plein d'autres trucs. Tu peux gagner des cadeaux même en étant inscrit, en faisant des quêtes et tout. Va sur le site, c'est gratos, mon gars. C'est les gars se donnent à fond sur le site, c'est trop bien. Moi, j'ai fait un groupe là-bas pour pouvoir faire des tournois Rocket League. Il y a énormément de possibilités, de choses à faire sur le site. Je ne saurais les citer entièrement. Bref, actualité, news, bon plan. Tu as des groupes, tu as la possibilité de gagner des clés pour avoir des petits jeux. C'est fou. J'ai pixé. Ok, mais sinon, on peut ken. Bien sûr, bien évidemment. C'était évident. La première quête. C'est quoi? Le survivant, oui. Elle est déjà validée, t'as participé en Rio. Putain, mais les mecs, vous avez déjà participé, bande de fifou, hein. C'est quoi le truc que t'as envoyé? Oh putain, je peux pas voir la clé. Oh là là! Attendez, y a l'autre qui sort de mon. Ah, Fina, elle est perdue. Mais. Où est mon village? Je suis mentaliste en fait. Elle fait dire. Voilà, ça... Exactement. Clairement. C'est un pont. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est un pont! T'es avec quoi avec ton plastique? Oh non, c'est dégueulasse, putain. Mon père, mes amis, tout a disparu. Il faut que nous gardions notre calme. Il doit y avoir une explication logique au fait que tous mes amis et mon père a disparu. Mon père a toujours dit qu'il y avait une explication logique à tout. En tout cas, j'espère qu'il avait raison quand il disait ça. C'est comme si mon village n'avait jamais existé. José, tu as dit de ce qui a pu se passer? Oui. Ah vraiment, ça me rassure. Tu veux peut-être la connaître? T'as sûrement un rapport avec notre combat contre le gardien? Peut-être, peut-être qu'ils se sont infusés dans les montagnes. Peut-être. Il faut qu'on y aille, je suis sûr qu'ils sont toujours sains et saufs. Oh, chez Pix, tu dégages, s'il te plaît. Oh, merci. Il n'est pas là, ton daron, puisque ton village n'est pas là. C'est vrai. Imba, elle va être sa propre mère, comme toutes les histoires avec des voyages temporels. C'est vrai, ça. Il faut que tu baisses ta mère, Darty. Et quand il saute comme ça, le pont sur lequel elle saute va disparaître tellement. Putain, Souris, ça me perturbe, t'as plus le truc d'Overwatch. Je te reconnais plus, Souris. T'es plus le même. J'ai pas vu le clip de chez Pix, putain. Faut pas le voir. Elle me dit qu'ils sont au nord, moi je vais au sud. Bah les reins. Je vais tuer du chez Pix, là. Hop. Vas-y, le mentaliste. Quel fourbri. Merci Kinyra. Je crois que j'ai dit exactement la phrase qu'elle a dit, non? Mais où est mon village? I'm back, bitches. Ah voilà, là c'est Soré. Et du coup, t'as plus ton cadeau. Du coup, tu m'as pas offert de somme en fait. Nous aurait-il menti? Moi, je veux pêcher, moi. T'es. C'est Jiminy Cricket. Tiens, c'est rare de recevoir la visite par ici. J'imagine que tu cherches à échapper à la guerre. Oui. Je n'ai rien à craindre ici, nous sommes les loin du trouble. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis installé dans le coin. C'est étrange, il me rappelle un peu mon père. En tout cas, il n'est pas de mon village. Il n'a pas l'air de savoir pourquoi il a disparu. Son père. C'est la technique pour se faire refaire un sub, génie. Ouais, la même. Non, bien sûr. Bah, bien sûr. Je fais ça pour l'argent, les gars. Je remercie tes fans pour les plus beaux clips que je reçois. C'est pas ce que dit mon compte en banque, Nozi. Aucune preuve, gros. Y a pas de cadeau, y a pas d'offre de sub. Kinyra, t'as des infos là-dessus? Sur le fait que Souris offre des sub? Et à cause de ça, dans le futur, il y aura pas de poisson. Mais celui de Ryu, lol. Avec le plastique là? Infâme. Vraiment, juste infâme. José n'écoute pas trop ce qu'il a dit. La guerre est finie depuis longtemps. J'ai l'impression qu'il débloque un peu. Je peux pêcher avec toi, frérot? Mais attends, il va nous la refaire là? Ah, ferme là, j'ai pas de leur faire, s'il te plaît. C'est quoi? Il y a un bonbon bon dessus. Vous avez vu? Il y a un trio picard. Tu peux aller dans la baraque là? Non, je sais pas de quoi tu parles. Voilà, voilà.
Les gars, n'oubliez pas que je fais ça pour l'argent. C'est important, c'est des techniques. C'est des leurres. C'est des leurres. Bien sûr, je rigole, hein, souris. Saute dans l'eau. Saute dans le feu. Ah, mais c'est un feu, ça? Et on dirait il a une queue, le feu. On dirait une petite queue. On dirait deux yeux rouges avec une antenne, en fait. Oh là là là, c'est bloqué. Un feu de champ. Un feu de champ. Ah les gars, dans 8 minutes, on passe au tirage au sort. En vrai, il est bien ce jeu. Le petit volant de 2. Allez, encore des encore du GPX, j'allais dire du souris. Encore du GPX, allez. Il est partout ce con. Brûle le pêcheur à la violence. Sors là, K47, défonce-lui la gueule. C'est de la merde ce jeu, bazooka. Bah faudra le finir. Ouh, bah peut-être que je vais mettre un an comme d'hab. Fais ton taf, il a battu les armes. Ce bâtard, ah ouais, je vais niquer sa mère. Ce bâtard. Chepix meurt. Défonce-lui la gueule, sors la K47. Allez, dégage toi. J'étais assez vu. Oh ouais. Qui est assez fourbe pour faire des trucs comme ça dans le chat? Des petits coups de pute comme ça, hein? Hein? Hein, Chepix, hein? Pas volé celle-là. Vas-y, vous des zizi partout. Oh non, tous ces clips ce soir, les gars. Qu'est-ce que j'ai eu? On est en train de connexion. Ouais, on est content. On est droit. Ouais, ouais. Fais comme tout le monde, prends les connes nucléaires, on n'en parle plus. Mais attendez, pour finir le jeu, je mets un missile nucléaire sur les ennemis en fait. J'ai qu'il y rajoute la quête. Très solide, bravo. On va pêcher ici alors. Je veux pêcher. Je veux pêcher. Tomber une météorite sur le gaz. C'est plus écologique, c'est vrai. Mais moi je voulais tout péter là. Je voulais tout pêcher, pardon. Tout péter. Pff. Bon, je sais pas ce qu'il y a mis là, j'ai mis là. Col du grizzly. Oula. Oh là là. Oh, les affamés. Oh là là. Et trois coups pour les tuer, c'est quoi là? Merci. Clairement, je vais l'ajouter. Oh, des Pokémon. Oh, hard, premier message, c'est... Oh, des Pokémon, deuxième message. Sans la K47, défonce-moi dans le cul. Putain, des araignées partent. Oh là, des araignées, c'est pour ma soeur, ça. Ma soeur, elle adore les araignées. Vite, prends l'argent. Ça n'a pas marché. Bon, je vais aller là-dedans, quoi, j'ai compris. Oula, bonjour. Oh, je coupe les trucs, hein. Vous comprenez bien. On dirait des nails royales, les ours. Mais attends, mais c'est des petits nails, ça. Oh, des Kinira, regardez. Tiens, Kinira, meurs. Meurs, démon. Je sortais de là. Ah, non. C'est pas de là, je sortais de là. Non, ok. Et si je vais là, ça passe quoi? Vas-y. La suite dans le village, ça va être toi plus tard. Ouf. Ok, aucune logique. Mais ok. Oh, Nail. Kinira, Nail. Ah bah putain, y'en a du monde hein, sur le jeu. Mais c'est qui ces PNQ là? C'est qui c'est... What? D'accord, j'ai dodge un coup de tempête là. Oh le bâtard. Cette tête de gland là. Pétain. Je sais que j'ai d'avoir, mais quand même. Excusez-moi. Hein. Ah mais c'est moi qui l'actionne. Il est complètement rouillé, il faudrait au moins un grand coup. Non, pour le faire bouger. Bah oui, mais c'est ce que j'ai fait en fait, j'ai pas fait exprès. Ouais, c'est bon, c'est ça que j'ai fait. Ok. Je l'ai fait bouger sans le vouloir. Je suis un peu con. Nail, tu la fermes!
Je te remercie. Et voilà, l'expérience qui tombe à l'eau. Ah non, c'est bon. Allez, level up. D'où c'est logique autant de chez Pix et d'araignées qui font moitié de ta taille. Ben oui, non mais attends. C'est des malades, hein. Qu'est-ce que... Tout te calme. Oh, l'araignée, elle a dodge, elle est sérieuse. Pro FPS, pro gaming. Oula. Et si j'ai pas envie de monter? Tous les nails qu'il y a partout. Putain, tous les nails, wow. C'est chaud. Ah, du coup, ils prennent plus que deux coups pour les tuer, les nails, regardez. Hop. Non, j'ai pris un level. Shawahé. Un truc qui vient de s'ouvrir, les gars. Ça, ça se pète. On dirait une peluche, c'est vrai. C'est une ours. Je pète la gueule à eux. Et ils me saoulent. Avec leur truc de merde là. Mourez. Merci, je peux gratonner. Des araignées aussi grosses, je change de planète direct. Non mais gros, genre c'est horrible. Oh ! Ah, attendez. Pff. Mon cerveau il est cassé aussi. Et dans 2 minutes, on pourra faire le tirage subgame, les gars. Waouh ! Moi je brûle toute la région. La violence. Brûlez tout. Mais il reste des habitants. Est-ce que t'as vu la taille des araignées, fils de pute? Brûlez-moi tous ces connards. Il a dodge. Waouh. Waouh waouh. Et on peut se calmer s'il vous plaît, merci. Pas de quartier, pas de pitié, exactement. Charré. Ah non, je peux pas le faire. Oh, évocatif. Évocatif, le vainqueur du dernier tournoi Rocket League. Meilleur joueur. Et... C'est un jeu à mon nom. C'est vrai. Mon petit Evo. Trop fort. My game, my rules. That's true. That's true. Mais j'ai pas dit c'est un trou. Et bim. Et on sauvegarde et on s'arrête là, les copains, non? On fait le tirage? Bi. Je suis en train de kiffer le jeu Northgard. Etc. Ah oui, oui, c'est trop bien, Northgard. Il y a eu une période où on y jouait tous beaucoup. Ma soeur y a joué masse, Momo, mon game over. Non, mais sérieux, une araignée comme qui descend le long du mur de ta salle de bain pendant que tu te prends la douche. Non, non, mec, arrête. Et vous, quand tu rejoues? Oui, Momo, elle kiffe Northgard. Elle est forte en plus dessus. Ça se pousse, ça, du coup? Ah ouais, ça se pète. Trop fort. On fait le tirage, des copains? Je suis un DLC, du coup. Oh, oh. Ok, il est bâtard. Bâtard de rocher. Allez, je tue cette araignée et on arrête. Juste parce que les araignées, c'est pas, juste pas joli. Moi bon, je prends le temps de tout prendre, hein, les gars. Je vais se dire rien à foutre. Allez, mais ça va, arrêtez de me laver le cul. Oh, ça vient maintenant. Quand c'est quand que ça sent le VIP game un soir par mois? Le VIP game? C'est une bonne idée, ça. Comment je quitte? Ah. Des petits benjamins de partout. Bonne idée, ça. C'est pour rien. Tu me diras, avec toi, j'ai une certaine barre dessus, mais ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Mais oui, Evo. J'apprends encore à connaître les clans. Bon, les copains, c'était bien, ce petit jeu-là. On a apprécié tous ces petits chez Pix partout, là.